sommes les derniers à embarquer dans l'avion pour Los Angeles. Lucas n'est pas là, le temps passe, on ne sait pas où il est. Donc je propose qu'on fasse un vlog que coquillage, sans bigorne. Tant pis pour lui. Vous pouvez y aller vite. Comment ça va? Comment ça va, Ludoc? Bien dormi? Ouais. Totalement jetlagué? Oui. Réveillé à 7h les yeux grands ouverts? Tous jetlagués. On vient vous montrer un petit peu la vue de notre villa. Regarde, cette porte. Derrière se trouve un petit paradis. Bienvenue à Los Angeles, à Venice Beach pour être plus précis. Exactement. On est un petit peu jetlagué, on s'est levé très très tôt. Mais on est hyper content d'être ici. Est-ce que tu peux filmer le chien qui chie s'il te plaît? C'est important pour moi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Vous le savez peut-être, Lucas a leaké mon numéro de téléphone dans une de ses vidéos. Sans faire exprès. J'ai eu plusieurs milliers de messages et de SMS et d'appels, ok? Mon numéro, ça faisait des années que je l'avais, on me l'avait déjà leaké il y a ça 7 ans. J'ai dû changer de numéro, envoyer nouveau numéro à tous mes contacts. J'ai dû changer les numéros de la banque, de Google, ça m'a pété les couilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un gage pour cette semaine de Los Angeles, ok? Okay. Je propose que dès que j'ai besoin d'un truc, tu me l'offres. Voilà. juste une semaine. Allez, c'est vendu. Allez. Et en plus, je vais vraiment pas te demander grand chose. C'est genre, une glace. Ça là, cette séquence où tu dis, je vais vraiment pas demander grand chose. Attends, on va la mettre à chaque fois que tu demandes un truc. En noir et blanc. Moi, je veux un avec le guidon comme as. Tu veux as? Ouais, avec le guidon comme ça. Ça fait penser au Harley. Petite référence au Harley. Moto américaine. On reste dans la Harley, on est bien. Toi, Lucas, tu vas voir celui-là. Il va bien avec ton t-shirt. Ça te plaît celui-là? Allez, c'est pas dans le gage. Le mec est clairement aux États-Unis. Tu m'as pris quoi comme vélo? Il est derrière toi? Le mec. C'est un sketch! Mais mec, il a sorti avec ton t-shirt! Oh le bâtard, il a un argument en plus! Bah, tu sais quoi, j'adore le rose, ok? Alors je me casse. T'emmerdes, Cyprien! Attends-moi, s'il te plaît! C'est électrique ta merde! Fils de chien, là! Alors, ça dit quoi? Franchement! Allez, vas-y, je suis resté là. Fais attention. Yes! Là, je me porte mieux. Là, on est bon? Ouais. On arrive toujours à s'entendre, ça c'est mon coquillage, ça. Alerte Shiba là-bas. Shiba alerte. Oh là. Oh, ils sont beaux. Hello. I have one in France. Oh yes. Yeah, and I miss him, so. Oh yeah. I'm happy to see yours. Is here? No. From Canada. Ah, from Canada, okay. Je parle français, moi aussi. Ah, bien. Yeah. Enchanté. Ça va, toi? Tu fais un peu plus ta gueule, toi. C'est la vibe, c'est cool. Idaho. Yeah. You guys? Je me suis fait niquer. Ah, c'est moi qui me tape le vélo rose. Non mais, Oh! Les amis, cette petite balade en vélo, c'était bien? C'est super sympa. C'était très charmant. Ce qui est bien aussi à Venice Beach, c'est qu'il y a plein de trucs pour faire du sport en plein air. Il y a genre des skates là-bas, il y a un skatepark. Ici, il y a des trucs pour faire de la muscu. Il y a aussi des petits parcours. Alors, on va s'affronter dans des petits parcours de sport. Ça va pas apporter mon poids sur... Première épreuve, c'est parti, c'est maintenant. Les anneaux, il faut passer d'anneau en anneau et arriver au bout du parcours. Mais j'ai déjà perdu, mec. J'arrive même pas à porter mon poids sur mon bras. Il est jamais confiant, il est terrible. Allez, tu commences ou je lis ton numéro de téléphone? J'arrive même pas à me porter. C'est pas possible, hein. Allez, vas-y, je te pousse pour le premier. Attends, mais. Ah, j'ai trop mal au bras. C'est impossible. Oui! Là, tu t'aides de l'autre. Ah non, tu l'as fait trop tôt. Oui! Allez, c'est parti, chronomètre est engagé. Ah! Trois anneaux. Oh putain. J'y vais? Ça m'a fait déjà de la corne. Je suis dead. Ok, j'y vais. Avec de l'élan, ça va en fait. Mais c'est ça en fait, tu vois, c'est comme tu t'arrêtes. C'est tellement satisfaisant. C'est tranquille, les gars. Je reviens. Ça baisse les mains par contre, hein. Je pourrais plus faire de high-five du séjour, les gars. Et là, on fait un petit salto. Allez, c'est fait. C'est prêt, hein. T'as fait 3 anneaux. T'aurais pu en faire 0. Alors, je suis pas déçu de ta prestation. Mais tu fais comment? Tu la coinces entre tes jambes en fait? Mon poulain, pas de panique. Je profite de ma position de mec maigre qui peut soulever son poids facilement. Cyprien, il faut aller en haut de la corde et toucher la barre en métal, puis redescendre le plus vite possible.
Il commence alors que je parle, il s'en bat les couilles. Qui peut stopper la Roumanie? On ne sait pas. Allez, vas-y. Allez, 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 allez. On fait les bras, on fait les bras. Allez, on va toucher la barre en métal. Non. Attention, attention à pas me brûler. Bien, belle prestation. J'ai un peu le vertige, donc au bout d'un moment, je me suis dit, ça va être trop haut. Avec des pompes, c'est pas mal, hein, tu vois. Ninja Warrior quand tu veux. Cyprien, on va trouver une épreuve à ton goût. Je fais tout comme toi, mais en beaucoup moins bien. Chance là, autre action, je peux te battre. Amène-le. Vas-y, commence. Je commence? Ouais. Ah ouais, un. Ok, avec une seule main. Avec une seule main. Ah maintenant, regardez le patron. Oh mec! Attends, il est trop chaud là. Il y a vraiment Mike. Mec, tu me bats autre action. Je suis fier. Cyprien, tu as été fantastique. Tu as su honorer tes capacités physiques avec grand succès. J'aurais dû faire de la gym quand j'étais petit. Je te propose qu'on aille se détendre au petit parc d'attraction juste ici. Je vais te payer les glaces. Allez, on va lui payer une glace. Ça, je sais faire ça. Ah, ah le gage, ah oui. En plus, je vais vraiment pas te demander grand chose. Pourquoi j'ai pas foutu ce numéro? Pourquoi? Vous allez voir une augmentation du chiffre d'affaires de tous les trucs de merde ici. N'importe quoi. Ils vont se dire oh. Je suis raisonnable, je suis vraiment raisonnable. J'ai pris une bouteille d'eau. Ça va non? Mais pour je, l'instant. Je sens que ça va dégénérer. J'ai un flair. On a pris 27 par contre des bouteilles d'eau. Tu veux faire ça? Ça va, c'est rentable. En plus, je vais vraiment pas te demander grand chose. Je te le prends avec plaisir, Cyprien. Je suis même heureux que tu me demandes de te prendre un billet d'attraction. Pas mal, hein? On s'en sort bien, je trouve. Ok, est-ce que tout le monde est prêt ici? Oui! Il y a un rail qui va lâcher dans France Boom. Attention! Oui! Oh, c'est dingue! C'est... Oh, les 10 dollars! C'était mieux! Merci, oh! Oui! Regarde, c'est okay. Ok. Moi, je vais vous acheter la photo, les gars. Alors, attention, vous faites tout de suite une poker face au moment de la photo, ok? Les gars, une info. C'est pour moi, c'est pour moi. Une chacun? On est sur 26$, on est sur 26$. En plus, je vais vraiment pas te demander grand chose. Ça paye, YouTubeur. Hein. Mike, qui travaille même dans le. Vraiment dans l'attraction, il travaille, c'est incroyable, ce con. Il est en train d'envoyer des petits mails, c'est au calme. Perfect. Thank you. Bon, les mecs, un pour Ludoc, un pour Sip. Et le dernier, non pas pour moi, mais pour Karash ici au son. Tiens, Karash. T'as dit quoi, c'est validé? On dirait qu'il lâche une caisse un peu. T'sais, il est un peu en biais comme ça. Ah, il y a trop de soleil, j'aimerais bien une casquette. En plus, je vais vraiment pas demander grand chose. Je vous parie 20 balles et prends la pire casquette, vous allez voir, la pire de toutes. You like this one? Je te la paye? Tu veux ça? That's nice. Thank you. T'as vraiment pu prendre un truc bien, quoi. Et tiens, c'est pour toi. Ah non, c'est pour toi? Quoi? T'as le droit d'acheter des trucs et c'est moi qui les mets? C'est validé par la street. Eh, merci en tout cas à ceux qu'on appelait Cyprien, c'est cool, mais merci. Pas mal, hein, je trouve quand même. Ouais. Il y a un petit délire. Ouais. Qui arrache avec sincérité, c'est comment? C'est dégueulasse. En fait, je voulais te prendre. Rien, tu connais Ubisoft? Aujourd'hui, on va se rendre à la conférence Ubisoft ensemble et je t'ai réservé une petite surprise car on est en Californie à Los Angeles et c'est la culture de la Harley Davidson! Alors mon con, tu vas te poser ici et on va y aller au Harley. Salut les gars! Le guet-apens! J'étais déjà pris en moto à Paris. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on est en retard. Ça c'est sûr. Alors on se dépêche, vamos! Mais au moins on va gagner du temps de ouf hein! Mec, on va passer entre les voitures, tu vas voir, ça va être génial. Et surtout, faut savoir que je suis déjà monté derrière Lucas. Et c'était formidable, il a très bien conduit, il conduit parfaitement, j'ai parfaitement confiance en lui, il est génial. C'est ça que t'allais dire? Super bien. C'est ça hein, que t'allais dire? C'est exactement ça. T'es paré, Sip? Ouais, paré. Tu t'assois là et t'as les qualités là. Oh, j'en ai marre gros de ça. On a vu les annonces de Ubisoft qui Mais Norman forcément faire le coup. Mais c'est moi qui l'ai payé putain, j'avais oublié.
Bon, on a vu la conférence Ubisoft avec toutes les grosses nouveautés. Moi, j'avoue, je suis attiré par Skull and Bones, le jeu de bateau là. Ouais. Il a l'air assez puissant. C'est le gameplay qui me donnait le plus envie presque. Tu sais pourquoi il me donnait envie? Parce que j'ai vu une interface vaguement comme ça. On pouvait acheter des skins. Et ça? Ça, on est preneur. Moi, mettre de l'argent dans des jeux. Surtout pour avoir un bateau, un joli bateau. Quel meilleur investissement que ça en vrai. Les grosses annonces, c'était surtout le trailer de Beyond Good and Evil 2. Voilà, un trailer qui a mis tout le monde sur le cul. Et puis l'ambiance était vraiment chouette dans le... bah, pendant la conférence, quoi, avec les musiciens et tout. On a pu prendre en main deux jeux qui ont été annoncés. Donc The Division 2. C'est un petit mode coopération des familles. J'ai bien aimé The Division, je trouve que c'est un bon jeu pour jouer en ligne avec ses potos. Et en fait, on était avec deux gars qu'on connaissait pas, et c'était assez marrant en fait de jouer avec eux, de faire des petites strats et tout. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est compte. Attends, maintenant. Vous êtes prêts ou pas? Allez, go, go. Oh, oh, j'ai rien fait. Allez. Oh là là. Allez. Oh là là. Oh. Oh, ils comprennent rien là. Ah, ils ont pas compris là. Ah ouais, non. On voyait que c'était bien stratégique et il fallait utiliser chaque classe qu'on pouvait. Donc ça, je pense que le jeu est assez bien branlé, même s'il sort dans assez longtemps. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à envoyer des sortes de grenades qui envoyaient des sortes de, je sais pas, des trucs. Il y avait les drones qui attaquaient tout le temps. Enfin, on sentait que les classes étaient assez importantes. Je suis ni FPS ni TPS, mais globalement, en tout cas, c'était assez fun. Ouais. Je crois qu'on est dans le cadre, il me semble. Ah, il y a des mecs derrière. Oh, j'ai commandé, zéro mort, c'est pas encore ça. Vas-y, tout sur le gros, le gros. Oh, c'est la folie. Ouais, le drone, il était sur moi. Zéro répit, quoi. Ouais, c'est quoi ça? Sur moi, les gars, sur moi, je suis mort. Ouais, j'arrive. Bah ouais, mais je sais pas aller où. Ok, je te reviens en plein milieu de spam. Ici, là? Voilà, mon ami. Vas-y. On a fini, là, non? Non, je crois qu'il en arrive encore. Il reste un violet là, voilà, c'est bon. Ouais, bon, on l'aura tellement. Mais non, non. C'est marrant parce qu'il danse, mais avec une poker face. Allez, let's go. Eh, hey, Lucas, c'est nous ce matin en train de faire notre sport. Ensuite, on a pu prendre en main Assassin's Creed Odyssey. Ça, c'est ta cam. Bah, alors, j'aimais bien torcher Origins, donc du coup, j'étais pas perdu dans celui-là. Il y a globalement tout ce qu'il y avait dans le précédent. Et j'ai bien aimé le mode où il y a plein de joueurs, genre il y a, je sais pas moi, enfin. Ah, sur la plage là? Le mode où il y a plein de mobs, ouais, il y a genre 150 personnes qui se mettent sur la gueule. Il faut tuer les ennemis et le boss des ennemis qui spawn. Ouais. Ah, c'était sympa ça aussi, ouais. Généralement, quand tu vois des icônes dans la bataille, c'est que c'est ceux à là. Voilà. Ah, voilà. D'arriver. Oh, la violence du mec. Ça, c'est un mode hyper intéressant. Hop là, déjà, c'est arrivé. Voilà. Mais calme trop, Jean-Louis là. J'ai bien aimé ce système d'enlevage de bouclier. Voilà, qui est une sorte d'habilité assez violente. Et donc quand tu mets des coups, comme tu peux le voir en bas, il y a une barre jaune. C'est la barre où tu gagnes de l'énergie. Et ça te permet d'utiliser tes habilités qui sont dans l'écran en bas à gauche. Et par exemple, tu as une habilité, voilà, comme celle-ci, qui en les permet d'enlever le bouclier et donc de les attaquer plus facilement. Et aussi le coup de pied est assez fatal. Bien sûr, en très jouissif. Petit clin d'œil au film 300. Après, on n'a pas joué très très longtemps non plus, donc je sais pas à quel point les cartes sont grandes. En fait, c'est ça où ça fait la différence. Bien sûr, il y a des ennemis. Bien sûr, maintenant, il y a un système de niveau avec les armes et tout. Système d'habilité, c'est des petites nouveautés. Ça, c'est mais bien, globalement, je trouve que c'est... d'habilité, je vais aimer, moi. C'est globalement sur la taille de la carte et le contenu que t'as, ça va faire la différence. Et donc là, tu peux leur rentrer dedans. Ah ouais, ouais, essayer de les exploser en deux, en fait. On peut le one-shot? Tu peux pas le one-shot, mais si tu le fais plusieurs fois, tu vas pouvoir le transpercer. Hop, la moitié de la vie, Maintenant, vas-y. Donc, ce que tu peux faire, c'est initier le boarding. Ah, trop cool! Ça te permet de sauter sur le bateau, d'aller tuer l'équipage directement. Voilà, c'était notre premier vlog à la fin de Galef pour le E3. Là, qu'est-ce qui se passe pour nous? On va rentrer dans le salon. Oh, bah, c'est dans la prochaine vidéo. Oh! C'est incroyable ce qui se passe!